Issa Kakompaoré est désormais le président du conseil d'administration de l'ASFA Yenega. Il succède à Armand-Pierre Bewende, qui avait démissionné avec son bureau le 4 juin dernier. Le club jaune et vert est miné par une longue crise qui affecte ses résultats. Pour le nouveau patron, il faut recoller les morceaux. Les dernières années, vu les difficultés, on s'est dit qu'à notre place, nous pouvons tenter quelque chose. C'est vrai que ça sera difficile, mais on pense que nous avons quand même les armes pour pouvoir aider l'ASFA à retrouver sa place qu'elle mérite et qu'elle a toujours mérité. La motivation qui nous a poussé à vraiment accepter ce challenge, et vraiment, bon, on pense qu'avec le soutien de tous, vous voyez, vu qu'il y a une équipe, quand même une forte équipe, et je pense que vous regardez dans cette équipe, il y a beaucoup d'expérience. Et les gens pourront quand même donner du sien, et on pense qu'avec vraiment les différents supporters et un peu de management et un peu de compréhension, ce qui nous divise, on essaie de parler pour pouvoir vraiment taire certaines divergences et que le football se joue. C'est un secret de polichinelle. Le manque de moyens financiers est une des causes du départ de l'ancienne équipe dirigeante. Mais les nouveaux dirigeants voient les choses autrement. Tu commences par les moyens financiers, c'est que tu limites ton action. Pour moi, on veut être premier, on va se donner les moyens pour arriver. En tout cas, c'est clair qu'il y a des ressources. Qui dit mobilisation de personnes dit des ressources. Les premières actions seront quand même, comme on va voir avec les différentes instances. Pour moi, en fait, les ressources financières viennent en dernière position. C'est l'engagement personnel d'abord. Il faut multiplier beaucoup la communication avec les différents partenaires. Avec les différents partenaires, il faudra quand même qu'on détermine cela afin qu'ils puissent avoir confiance à notre bureau. Et si les gens ont confiance avec même les supporters et puis les différents partenaires, ça peut nous amener à aller très très loin. Accusé d'être à l'origine de l'affronte des supporters contre l'ancien bureau, Ablassé Yaméogo, premier vice-président du conseil d'administration, se défend. Des gens peuvent tenir de tels propos. Depuis que je suis dans le football, j'encourage toujours la bonne action. Je ne m'aligne que pour les causes nobles. Le nouveau conseil d'administration de l'ASFA Yenega compte 28 membres. Le comité central de 27 membres est dirigé par Salif Saint-Poré. Seydou Madi Panantigiri et Préjuste Nakoulma, deux anciennes gloires du football burkinabé, y figurent au poste respectif de directeur technique et directeur technique adjoint.